Maintenant, elle est venue se mettre dedans. Allô? Oui, Fofo, je suis encore en live, s'il te plaît. Oui, j'ai commencé tard, oui. Oui, à tout à l'heure, mon époux. Ce soir, s'il te plaît, tu me fais un massage aux orteils et aux poils des narines, comme j'aime bien. Digne d'un film de massage graissal. Allô? Ok, au revoir. Il aime ça. Les hommes, là, ils aiment les femmes qui sont ton un peu bête façon. Il est irrité comme ça. Ah, digne de quel film? Il aime ça, mon cher. Quand vous êtes dans vos foyers, là, ne soyez pas trop sérieuse. Soyez un peu folle. Ils aiment ça. Allô? Ma chérie, attends, hein, mon mari m'appelle, on est en train de lever. Hein. Mon mari m'appelle, on est en train de lever, s'il te plaît. Toi, tu es en train de gréer un mari de ta soeur. Si mon mari m'appelle, on est en train de lever, il faut patienter. Hein. Moi, mon mari, quand il est à la maison, si tu l'entends rire, tu vas penser qu'il est en train de... Il est avec des gens, mais quand tu tires ta tête, c'est avec moi. Ouais, il rit avec moi jusqu'à ses larmes coulent. Toi-même, tu vois comment je suis drôle là, non? C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Souvent, quand il m'appelle comme ça, là même, là, quand il décolle, je dis, monsieur, vous êtes qui, s'il vous plaît? Il me dit, mais tu as quoi? Je dis, s'il vous plaît, hein? Là, s'il vous plaît, je suis avec mon amant, on est en train de lever. Je ne veux pas qu'on nous dérange. Et lui-même, il commence à rire. Et parce qu'il est habitué à moi, il commence à rire. Mais souvent, je dis, monsieur, s'il vous plaît, en ce moment, j'ai des envies de jeûne. Vous êtes trop biécou, j'ai besoin d'un jeûne frais. Lui-même, il commence à rire. Lui-même, souvent il dit, toi là, pardon, au-delà, faut être sérieux, je t'appelle, c'est important. Et puis je dis, ah, pardon, faut me laisser là-bas. Et puis, maintenant, on rigole et il passe au sérieux. C'est-à-dire que, voilà, dans ton foyer, il faut être relax, il faut être cool. C'est-à-dire que ton mari, à un moment, il doit sentir qu'il est avec une petite fille, à un moment, il doit sentir qu'il est avec une gamine, il doit sentir qu'il est avec une folle. Et puis quand c'est sérieux, il sent qu'il est avec une épouse, une dame. Moi, je joue plein de rôles dans mon foyer. Quand je vais être immature, je suis immature jusqu'à... Quand je vais être folle, je suis folle jusqu'à... Souvent mon mari est là, il est assis là. Je dis, regarde, monsieur, il faut aller te laver. Tu vas sortir un peu. Il dit, tu vas sortir un peu. Il dit, pourquoi? Il dit, mais toi aussi, va draguer un peu dehors. Pourquoi tu ne vas pas aller draguer? Lui-même, il s'assoit, il rigole. Il dit, mais tu es folle. Donc, c'est pour te dire simplement, c'est ça quoi. C'est dit, parce que quand on est marié... Surtout, lui et moi, ça fait 20 ans, même plus de 20 ans, je ne compte même plus les années. C'est que quand tu restes longtemps comme ça, avec un homme, et puis vous avez des enfants qui sont en train de grandir, si tu veux rester toujours... Oh, Dr. Y, love you so much, thank you so much, you are beautiful boy. Quand tu... Voilà, c'est-à-dire, vous vivez au quotidien depuis combien d'années? Si tu veux être toujours sérieuse, mais tu es mal barré, tu vas t'ennuyer.